Né en 1930 à Batna, meilleur élève de son lycée, Mustapha Boukouch était promis un avenir radieux. À 14 ans, son esprit s'était déjà abreuvé des œuvres de Nietzsche, Kant et Spinoza. Âge où il débuta son militantisme au sein du PPA, puis de l'organisation spéciale. Le 2 novembre 1954, il fut arrêté par la police des renseignements de Batna. Il fut sans nul doute l'un des premiers à avoir subi le supplice de la baignoire et de la gégène. Durant son long parcours de combattant, il transita par la prison de Koudia. Cette période lui permit d'écrire un petit journal intime, les idées d'un intellectuel refusant de se plier à l'oppression sous n'importe quelle forme, un véritable bijou de notre révolution, une perle ornée de la clairvoyance d'un philosophe et du verbe d'un homme de lettres. Dans une discussion à bâton rompu, celui qui parle le moins n'est pas le plus sot. Il est le plus écouté. Il est agréable de manier les principes, de débiter les formules et un peu plus difficile de construire les systèmes. Mais il est pénible et souvent impossible d'adapter les principes à la réalité. Elle ne se laisse pas facilement enfermer dans des systèmes. L'obscurité, le silence et la solitude sont les trois choses qui manquent, qu'on ne connaît presque pas en prison. Nous avons dormi hier dans l'obscurité. Le gardien a bien voulu éteindre la lumière sur notre demande malgré le règlement. On réfléchit mieux dans l'obscurité que dans la lumière. Et qui réfléchit profondément dans le grand silence de la nuit s'aperçoit de la vanité de l'existence. Au firmament obscur, aucune étoile ne luit. L'esprit dans le silence de la nuit, tout alentour ne voit que le vide. Le néant l'étouffe et l'âme avide. D'un rayon, d'un seul ou d'un bruit, se débat et court après ce qui fuit. Un Dieu juste et bon qui la guide. Nulle part dans la lumière qu'elle poursuit ne se montre dans le désert aride. Froid et noir de la tombe. Qu'est cette nuit? Rien ne ressemble plus à la mort que la nuit. Rien ne ressemble plus au néant qu'une nuit sans étoiles. Dans le champ de la bataille de la discussion, la dialectique est une arme avec laquelle on se livre des assauts de démagogie. Aujourd'hui, par mon cahier à l'aventure. Il faut qu'il sorte. J'en ferai un autre. Et l'aventure ne s'acheva pas ainsi. Car dès qu'il purgea 3 ans de prison à Barouagia, il rejoignit ses frères d'armes à Annaba. Ma chère Yasmina, je viens de recevoir ta lettre. Je m'apprêtais à t'en écrire une. Je le fais doublement heureux et plus que doublement.
Je le suis parce que j'ai lu ta lettre et l'ai relue. Je le suis parce que tu te portes en bonne santé, que les enfants vont à l'école, que toute la famille pense à moi. Je le suis enfin parce qu'aujourd'hui, 2 novembre, c'est mon anniversaire et qu'une lettre me venant de la maison après tant d'années de séparation est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. C'est dire que je n'ai à me plaindre de rien, au contraire. Je me porte à merveille et j'ai le moral on ne peut plus élevé. J'en arrive quelquefois à oublier que je me trouve en prison. Laissez-nous seuls. À vos ordres, mon commandant. Ne vous dérangez pas pour moi. Continuez à écrire. J'ai hâte de lire. J'ai adoré la nouvelle du porteur d'eau. Et à quoi avons-nous droit cette fois-ci? C'est personnel. Vous pourriez être de nouveau unis. Notre offre tient toujours. Ça pourrait être le commencement d'une nouvelle vie. Maison, argent, et même la gloire. Vous enseignerez comme vous le faites ici. Ou encore vous excellerez dans ce que vous faites le mieux. Écrire. Il y a plusieurs façons d'avoir le moral bon, évidemment. Mais tel que vous me connaissez, je choisis toujours la meilleure. Aussi est-ce inutile de vous rappeler que si jusqu'à ce jour, je vous ai causé quelquefois des ennuis, je ne saurais jamais être cause de quelque déshonneur pour vous. Vous pouvez être sûr que jamais personne ne vous dira du mal de moi. Car une fois pour toutes, je me suis tracé une ligne de conduite et je suis homme à ne pas en sortir, quel que soit le prix qui m'en coûte. Reconnaissez juste l'autorité de la France. Et tout cela sera à vous. Bonté divine, pourquoi un homme tel que vous s'entête à faire la guerre? Devoir, honneur, patrie. Quel monde de fous! Un philosophe qui parle comme un soldat, et un soldat qui philosophe. C'est une grande folie que de vouloir être sage tout seul, dit le philosophe. J'aurais tant voulu vous rencontrer dans d'autres circonstances. J'aurais tout tenté, jusqu'à la fin. Pas pour vous. Pas pour la France. Mais pour l'humanité. En attendant, je resterai bien sage. Vous m'y aiderez beaucoup en m'écrivant régulièrement, c'est-à-dire le plus souvent possible. Avant de terminer, je dois vous dire que cette lettre sera expédiée de Constantine. Monsieur Soust, qui rentre chez lui, la postera lui-même. Je vous demanderai encore, à toi ma chère Yasmina, d'écrire une lettre à Monsieur Soust pour le remercier d'avoir été si gentil pour moi. D'ailleurs, tout le monde l'a été et continue de l'être à mon égard. Il en sera toujours de même, sois-en sûr, car où que je puisse me trouver, je saurai imposer le respect. J'ai assez de dignité pour cela.
Cette dignité, c'est à celui qui m'a élevé que je la dois. Mon père, je ne l'oublie pas. Remercie-le de ma part et embrasse-le ainsi que ma mère. Et Gadour, mon frère. Et l'Akri et Bécha, nos enfants respectifs. Et Khadija, ma sœur bien-aimée. Et tout le monde enfin. Mustapha. Né un 2 novembre 1930. Capturé et torturé un 2 novembre 1954. Exécuté un 2 novembre 1960. Souvent les grands hommes ont des destins tragiques. Gloire à nos martyrs.